Les émotions sont des impulsions qui nous incitent à agir ou à réagir. Elles se traduisent par des états affectifs brefs et intenses. Une émotion est issue d'une information véhiculée à partir d'un de nos cinq sens jusqu'au système limbique de notre cerveau, qui la répercute de façon réflexe sur le corps, déclenchant une réaction motrice adaptée. Une émotion implique donc toujours un geste. Cette réaction permet d'extérioriser l'émotion et devient ainsi un moyen de communication non verbale. Dans un contexte social, les mouvements et les émotions des individus sont interdépendants et en perpétuel dialogue. En effet, les mouvements perçus chez l'un créent des réactions émotionnelles chez l'autre qui génèrent de nouveaux mouvements chez la première personne, et ainsi de suite. C'est tout un jeu d'action-réaction. La mémoire joue un grand rôle dans la classification de toutes ces informations reçues et émises. Au cours de sa traversée du système limbique, l'information à l'origine d'une émotion interagit avec l'hippocampe, structure à l'origine de la mémorisation consciente. Plus les émotions ressenties dans une situation sont fortes, plus celle-ci sera mémorisée. Les émotions permettent alors de déterminer une valeur à nos souvenirs. Savoir repérer les mouvements caractéristiques des émotions chez soi et chez les autres aide à leur interprétation. On peut alors adapter son comportement en conséquence pour pouvoir mieux comprendre les autres et s'apporter mutuellement en développant sa faculté d'empathie.